Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'un petit Lenormand qui vient tout juste de paraître aux éditions Contredire. D'ailleurs, je remercie Isabelle qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous parce qu'en plus, il m'avait vraiment tapé dans l'œil. C'est le Witchy Lenormand de ma belle Angélique Guel, je ne sais pas du tout comment on le prononce, hein, qui a la chaîne, vous devez tous la connaître, Angie Lumière d'Étoiles, voilà. Et elle a créé son propre petit Lenormand, hein, et il a été illustré par Pauline Rani. Et comme vous l'aurez compris, hein, il est dans le thème witchy, tout ce que j'aime évidemment. Déjà la boîte est très jolie, hein, noire avec du doré, j'aime beaucoup. Voilà, il y a des petites étoiles, là aussi on a de la dorure, voilà. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Que la lumière des étoiles guide votre chemin. Dans une ambiance witchy, partez en voyage à travers l'espace et le temps avec ses cartes magiques. Une toute nouvelle version de l'oracle divinatoire de Mademoiselle Lenormand, célèbre cartomancienne parisienne du 19e siècle. Inspirée par la nuit et les astres, elles vous entraîneront dans un monde fascinant et poétique de la jeune sorcière Willow et de son chat noir Raven. Les 38 cartes rassemblent les 36 symboles du petit Lenormand, selon la création originale de Mademoiselle Lenormand, ainsi que deux cartes supplémentaires, une carte Yin et une carte Yang. Chacune d'entre elles vous transmettra sa signification pour une lecture traditionnelle et vous dévoilera un message magique de reconnexion à votre pouvoir personnel afin d'éclairer votre chemin dans chaque domaine de votre vie. Écoutez votre intuition et connectez-vous à l'univers et à la multidimensionnalité de votre âme. Donc ici vous avez quelques illustrations. Hein. Ce coffret comprend les 38 cartes de l'oracle, le guide d'accompagnement de 108 cartes en couleur et un sac en velours pour protéger vos cartes et il est au prix de 26 €. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Youp. Voilà, l'intérieur est noir. On a un sac en velours noir, c'est très classe je trouve, avec des petits rubans noirs. Ça change du doré, c'est super joli. Ensuite, on a l'intérieur de la boîte qui est aussi noir. Et alors, on a ici le petit livre de 108 pages. Donc, voilà. Sur du papier noir, c'est joli. Regardez-moi ça comme c'est joli. Bon, du coup, on a le sommaire avec des petites étoiles dorées. C'est trop joli. Une introduction, puis on a des méthodes de tirage. Tirage traditionnel du petit Lenormand, du portrait intuitif en 9 cartes et le message de guidance du Witchy. Et puis, on passe à la signification des cartes. Le tableau des mots-clés, des remerciements à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Alors ici, on a une petite introduction. Puis, on passe aux méthodes de tirage. Voilà, ici, c'est illustré. Du coup, tirage traditionnel du petit Lenormand. Le duo énergétique du jour, tirage à 3 cartes pour éclaircir une situation, tirage à 9 cartes pour comprendre une situation et son évolution, le tirage du portrait intuitif en 9 cartes, et alors la signification et message des cartes. Donc on retrouve ici la carte en pleine page, c'est en couleur vu qu'elles sont principalement en blanc et en doré et en noir, voilà. Donc, on a son nom avec le numéro dans la petite étoile, quelques mots-clés, la signification et son petit message witchy. Voilà, et on a ça du coup pour toutes les cartes. Voilà, et à la fin, on a le fameux tableau des mots-clés. Ça, c'est chouette aussi, hein. Par exemple, le trèfle, ses chances, hasard, positif, argent, herbe et plante, bonheur, réussite, espoir. Et on a ça du coup pour toutes les cartes, ce qui est très chouette, hein. Si on n'a pas envie, si on a juste envie d'un petit aide-mémoire. Et puis ici, remerciements à propos de l'auteur, voilà, donc d'Angélique. Ah ici, vous avez son Instagram et sa chaîne, du coup, et son mail. Et à propos de l'illustratrice, du coup, voilà. Et à la fin, on a des petites étoiles derrière, c'est très joli. Alors, on va regarder du coup ces cartes qui sont vraiment très belles.
Voilà, on a le dos comme ceci, c'est super joli avec les étoiles. Oui, là c'est doré, mais je ne sais pas si vous voyez, elles sont. On les sent en fait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, elles ressortent en fait, voilà. Et c'est super joli. Alors, les tranches sont dorées, très jolies aussi. Alors, par contre, les cartes sont très, très, très grandes. C'est de la taille d'un oracle. Je ne pense pas qu'on saura faire un petit tableau. Ou alors, il faudrait vraiment le faire par terre. Parce que regardez, par rapport à une carte de tarot, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus large. C'est vraiment la taille d'un grand oracle. Voilà. Alors, on retrouve le numéro ici dans le petit encart. Le signe de cartomancie ici. Et alors, le titre ici. Et alors, ici, le cavalier est remplacé par l'éclaireuse. J'aime beaucoup le petit chat dans le panier. En plus, il est résolument moderne, hein, sur un Vespastre. C'est vraiment très, très chouette. Plein d'étoiles. Alors, ici, on a le trèfle. Et je trouve ça très joli, ce doré sur fond noir. Ça rend super bien. Le navire dans une bouteille à la mer, c'est trop joli aussi. J'aime bien. Avec l'idée du bateau dans cette bouteille, hein. Le manoir pour la maison, ça fait très witchy justement. Et on retrouve ici encore un petit chat sur le toit. Très très joli. Le sakura pour l'arbre, elle est très très jolie aussi. Les nuages, voilà. Ici c'est joli, les nuages sont un peu dorés comme ça sur fond noir. Ça ressort vraiment bien. Le serpent autour de sa fiole de poison, un cobra. Le cercueil. On retrouve le papillon pour la transformation et les petites chauves-souris. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment fun. L'attrape-rêve. Il est beau aussi. La faux. Avec les épis de blé. Le balai magique, j'aime bien avec ce chaudron et on retrouve de nouveau ce petit chat dedans. Les oiseaux, ici aussi c'est chouette, on a plusieurs sortes. On a le colibri, on a un hibou, on a un petit moineau, je ne sais pas ce que c'est, un petit canari, mais c'est super joli. Le petit magicien pour l'enfant, très très joli aussi. Celle-ci, alors, elle est magnifique. Celle-ci est l'ours, j'adore, le renard. Super joli. Il est trop mignon. Et celle-ci aussi est très, très jolie. L'ours avec cet ours polaire. On a la constellation, là. Il est trop mignon. Assis comme ça, on dirait qu'il regarde les étoiles. Il est trop, trop beau. L'étoile, ben, ça, c'est le logo de la chaîne, du coup, d'Angie, hein. Voilà. Et ce tourbillon d'étoiles. La cigogne. J'aime bien parce qu'il est simple sur fond noir. Les dessins sont pas trop chargés. C'est super joli. Le chien, il est très très beau aussi. Tout avec cette aura d'étoiles ici autour de lui. La tour pour la tour Eiffel. Très joli aussi. Le parc pour le jardin. Avec ses beaux réverbères et ce banc. Les rochers pour le mont. On voit cette cascade. Et le ciel étoilé toujours. La rose des vents pour les chemins, sans doute. Hein. J'ai bien des petits avions qui tournent. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Les souris, les trois petites souris qui sont en train de grignoter une étoile. Vous connaissez mon amour pour cette carte. Les bulles d'amour pour le cœur. Mignon aussi, hein. Le talisman pour l'anneau, le grimoire évidemment, hein, pour le livre. Toutes ces étoiles qui ont l'air de s'échapper du livre. La lettre, ici on a la machine à écrire, trop mignon. Et les avions de papier. L'enchanteur pour l'homme, du coup. Et ben, la sorcière pour la femme. Voilà, je regardais. Très joli.
Par contre, on ne sait pas dire qui se font face ou qui se font dos, vu que celle-ci regarde de face. Voilà, alors la couronne de lys pour le lys. Le soleil couchant pour le soleil. Magnifique aussi. Simple, mais très jolie. Celle-ci, j'aime beaucoup la lune aussi. Elle est magnifique, cette pleine lune, et on retrouve le petit chat sur la branche. La clé, j'aime bien l'idée de clé de sol. Chouette aussi avec cette partition. Les poissons est toute mignonne aussi avec ce coffre au trésor. Très jolie. L'encre, elle est très belle aussi. La croix en idée de tatouage ici dans la nuque, très jolie aussi, j'aime bien. Et pour finir, on a le yin et le yang qui peuvent servir du coup de deuxième carte féminine et deuxième carte masculine. Comme ça, au final, on peut avoir deux cartes consultant et deux cartes pour la femme aussi. Voilà, donc pour ceux qui aiment bien avoir deux hommes et deux femmes, vous aurez un homme, une femme et le yin et le yang qu'on peut très bien attribuer au masculin et au féminin. Voilà. Voilà pour ce magnifique jeu. On va en tirer une au hasard. Youp, elle s'étale super bien. On va prendre allez, celle-ci et je vais vous lire du coup le message. Le parc numéro 20. Comme ça, vous aurez une petite idée des messages. Hein. Voilà, le parc. Bon, donc du coup, on a les mots-clés, communauté, rassemblement, événement public, extérieur, vie sociale, amis, collègues et clientèle. Alors, la signification. La carte du parc nous emmène dans un jardin public new-yorkais où il est possible de faire de merveilleuses découvertes, rencontres d'amis, d'âmes sœurs ou d'êtres de la nature. Dans ce lieu magique, tout est possible. Cette carte nous révèle la vie sociale, l'entourage, les réseaux sociaux, la clientèle. Elle parle également d'un lieu extérieur, d'un rendez-vous, un spectacle, des festivités. Elle indique un besoin de respirer le grand air. C'est l'appel de la nature et de l'écologie. Et le petit message Witchy, je vous invite à trouver votre place au sein d'un groupe en allant à la rencontre de votre famille d'âme pour vous entourer de personnes ayant les mêmes vibrations que vous. Voilà, voilà pour ce joli petit message. Donc, c'était le Witchy Lenormand, un très très joli petit Lenormand avec de très grandes cartes par contre. Mais j'aime beaucoup, déjà j'adore les yeux Witchy, ça vous devez commencer à le savoir. Et je trouve que le mariage du noir et du doré, comme ça, plus les étoiles, c'est très classe et il est vraiment très très joli. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je vous avoue que j'aime beaucoup ce dos aussi avec ces petites étoiles en relief doré, je trouve ça super joli. Voilà, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour ce jeu également, si ce genre d'illustration vous plaît, etc. Comme ça, on partage tout ça en commentaire comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!